Je viens de se réveiller. Bon, moi je vais aller. Ah, salut Quentin. Tiens, salut. Il est où Tom? Je sais pas. T'en vas voir. Il est en haut. Ah, il est là. Tom, réveille-toi. Tom, réveille tes fesses. Quoi? On se réveille. Quentin, rappelle-nous, c'est quoi comme jour aujourd'hui déjà? Parce que je sais pas pourquoi je suis pressé aujourd'hui, mais je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, on va braquer la banque. Ah oui, c'est vrai. Par contre, je dois vous imposer quelques règles. Il y a un camion avant la banque, ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre lion, on va être ultra discret, on va endormir celui qui... Comment dire? Celui qui... Conduit. Bref, en gros, il y a un mec... Oui, enfin, il conduit pas vraiment. Il garde le camion pour pas qu'il se fasse voler. Et dans le camion, il y a de l'argent. Donc, on va devoir voler l'argent ensuite dans le camion. Et ensuite, on passe réellement à l'action. Il faut pas être ultra discret. Ouais. Pas bête comme idée. Pourquoi tu jettes ça dans ton bain? Tu veux laver les vêtements? Non, c'était la dernière personne que j'avais tuée, j'avais son armure encore. Ah oui, ok. Bon, là, tout le monde est prêt? On prend un petit peu de nourriture. Et... Okay. Moi, je vais prendre une douche et j'arrive. Ok. Ouais. J'ai pris de la nourriture. Quentin, tu reviens? Il faut attendre Tom quand même. On y va à pied, de toute façon on a les sacs, on a tout. Quentin, tu veux pas prendre de la nourriture? Non, pas du tout. Bref, on y va. Allez, on y go. Go, go, go. Allez, alors. Où se trouve ce camion? Quentin, vu que t'es le plus costaud, c'est toi qui vas nous protéger, d'accord? Je vous y emmène, je sais où il est. Je me suis occupé de tous les plans. Ok, parfait. Bon. Vous êtes prêts? Mettez vos équipements. J'assomme le conducteur, vous rentrez, d'accord? Non, j'assomme. Vite, vite, rentre. Je suis dedans. Ok, je prends l'argent. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Vous avouerez qu'il n'y en a pas beaucoup et ils sont tous positionnés en forme de zizi. Oh! J'ai eu un œil de lender. Hop là, c'était le diamant Illuminati, t'inquiète pas. Oh my god. Allez vite. Ok, vous êtes prêts à passer à l'action? Ouais. Ok, 3. Bon, pas bah, les couilles, personne ne bouge. Personne ne bouge. Ouvre la porte. Ok, Quentin, tu nous protèges. Je vous protège. Non. Go, on rentre dans la base de la banque. Ok, j'ai la pioche. Pousse-toi, j'ai la pioche. Police. Non, vite. Allez, Quentin, tu nous protèges, hein. Attends, il est en train de me frapper. Voilà, merci Quentin. Vite, je t'aide à prendre le pognon. Prenez le pognon. Ouais, bah tu crois qu'on fait quoi là? Ok, c'est bon. Vous avez pris toute la thune. Oh. On m'a tapé. Faut pas rigoler là, il faut pas taper les gens. On peut pas ouvrir la porte. Hey, on va réussir le braquage. Je suis mort, ils m'ont menotté. Non. Je suis menotté. On est en train de réussir. Alors vous voulez braquer? Attendez monsieur, il faut fermer la porte quand même. Fermez-la. Attendez, je vous la ferme. Allez-toi bien. Oh non. Venez les prisonniers. Oh purée. Ils nous appellent déjà les prisonniers, on n'est même pas encore en prison. J'ai de quoi fermer la porte. Venez. Voilà. J'ai pas envie d'aller en prison. Quentin, comment on va faire? J'ai réussi à bloquer un flic. Oh, fais mal. Arrêtez de taper.
Surtout qu'on a les menottes, on peut rien faire. Lucas, je crois que tu vas devoir rendre le sac de thunes, à mon avis. J'ai pas le temps. Bon, allez, tenez, je vous rends l'argent. Ils vont nous emmener au poste de police. En plus, là, ça faisait quand même un petit peu lourd. Hein, tout l'argent. Il y a encore deux poste de police. Au même pire. Tenez, je donne tout ce que j'ai dans mon sac à dos, monsieur. Ouais, on vous donne tout là. De toute façon, on est cuit, c'est bon. Bon, j'enlève mon masque, je serais bien obligé. J'ai plus rien sur moi après. Même pas de la nourriture. Quoi, toi, monsieur, on peut garder la nourriture au moins. Non, moi j'ai tenu. Quentin, il va falloir que tu montes ta tête. Enlève ta tête. M'en fous. Enlève ta tête. Ils sont marrants, les flics. Allez, t'es obligé. Bon, bah, je suppose qu'on va devoir aller dans la prison. Venez. Il faut que tu enlèves ton armure aussi. Hein. C'est notre destin. What? Il est chelou, ce flic. Hein. Bon, allez, vite, on y va. Et moi? D'accord. Il n'y a pas une autre voiture? D'accord. C'est le prisonnier qui emmène le flic en prison. D'accord. Ça va, Tom, sinon t'es au calme. Oui, suivez-moi. Ouais. Oh, c'est ma voiture. Rendez-vous, ma voiture. Bon, allez, vite, faut aller en prison. T'avances. Je m'évade. Non, Lucas, reviens. T'es sûr? Pas encore cette fichue prison. Il est où Thomas? Doit passer les pages. Il est où Thomas? Mais quel Thomas tu parles? Ah non. C'est comment il s'appelle? Ah oui, Quentin. Ouais, Quentin. Il est pas avec nous. Non, il est dans une cellule de seul. Pourquoi vous l'avez osé là? Pourquoi vous l'avez mis dans une cellule seule? Ah, pourquoi vous l'avez mis dans une cellule seule? Il était trop fou. Ah d'accord, bah il revient demain j'espère. Peut-être pas. Ok, bon. Du coup, bah écoutez, je pense qu'on est obligé de dire nos prénoms. Bah moi c'est Lucas et mon famille c'est ta mère. non, c'est bon, je déconne. Ah d'accord, je déconne, c'est moi. Pourquoi vous m'avez tapé? Moi j'ai rien fait. Bon, mon prénom c'est Lucas et mon nom de famille c'est Adams. Toi. Bah je viens de le dire à l'instant. Toi là, toi. Bah moi je m'appelle Tom et ta grosse mère la pute. Oh, ok, il y a ton petit tape là. Et elle boit de la limonade. C'est bon la limonade, c'est vrai. Non. Mais c'est vrai, la limonade c'est bon. Enfin moi j'adore la limonade. Non mais la limonade de merguez. Oh ta gueule, oh c'est dégueulasse. Bon allez, plus sérieusement là. Bon du coup moi je suis sûr que je vais devoir aller en prison. Bon, vous pouvez me mettre dans une cellule avec une autre personne de la prison pour que je fasse un petit peu connaissance avec les prisonniers. Non, 6 mois toi. Ouais, dans cette cellule là. Ah, d'accord. Ah, bah bonjour. Je vais où, monsieur les agents, je vais où Bonjour, monsieur. Ah, bonjour. Tu vas là. 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 Non. Non. Ah, bah. Non, là, il y a une personne. Tiens, le gars là. Oh, là. Eh, mais tu sais qu'il faut que tu partes, hein, Tom, là. Elle est prisonnière, enfin les prisonniers, les policiers, non, il doit partir lui. C'est toujours deux personnes dans une cellule. Même si là il y a quatre lits, c'est bizarre. Bon bref, salut, moi c'est Lucas, Adam, c'est toi. Moi c'est Thomas. Thomas et mon autre ami, je le connais pas. J'ai été perdu dès ma naissance. Ah d'accord. Et toi t'es en prison pourquoi? Moi je suis allé en prison avec mes amis parce qu'on a fait un braquage de banque. Sauf que mon ami Quentin, bah on l'a mis dans une cellule tout seul un petit peu parce qu'en fait il était fou en fait d'aller en prison. Il était fou de l'idée d'être en prison, du coup on l'a mis dans une cellule tout seul parce que sinon il était trop fou. Et mon ami il est dans l'autre cellule je crois, enfin. Et toi t'es ici pourquoi?
parce que j'ai fait beaucoup trop de deals de drogue, j'ai failli tuer un policier, j'ai failli tuer quelqu'un, et j'ai fait un braquage de banque qui a mal tourné. Ah, d'accord. Et t'es là pour combien de temps? Je sais pas, ce qui paraît pendant encore 15 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Hey toi, sur l'arbre, sur la nuit, là, au fond. Ouais, quoi? On va te laver. Merci. Et il y a la cantine aussi dans 5 minutes, je crois. Okay. Et faut qu'il, le nouveau, faut qu'il aille prendre sa douche aussi, hein. Ok. Bah, je dis ça pour lui. Vite fait, excusez-moi les policiers, mais vu que nous. Excusez-moi en fait les policiers, j'ai juste une question qui me trotte en tête. On va aller en prison, enfin on reste en prison pendant combien de temps du coup? Environ un an. Un an? Non, un braquage de banque, moi je m'y connais bien, c'est 20 ans normalement les gars. Oh. Je crois que vous savez pas votre métier, tu vois. C'est pas pour vous critiquer, mais je crois que je connais mieux les peines que vous. Après, c'est pas pour vous critiquer, hein, les gars. Ok. C'est pas cool, hein. C'est gentil ouais. D'aller voir dans les téléphones, s'il y a pas un petit message comme ça. Il y a un petit message dans les téléphones. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens, là, est-ce que juste à... Je croyais que tu te souviens, tu t'étais fait tirer dessus quand il y a eu le braquage. Oui. T'as pas une plaie, il faudrait qu'il te soigne. Non, c'est bon, j'ai retiré le... J'ai retiré la balle, puis... D'accord. Bon, allez, viens, on va manger. Ouais, bah non, c'est là. Bah, moi j'ai pas trop faim en fait. Moi, il me faudrait juste de l'eau parce que j'ai soif. Ouais. Venez, on s'assied à cette table. Ouais, moi je voudrais bien. Moi je voudrais bien du lait s'il vous plaît, j'ai soif. Ah, bah non, aujourd'hui moi je veux juste bah boire. Je voudrais du lait s'il vous plaît. Vous avez du lait? Moi de l'eau. Ouais, bah moi de l'eau ça me va. Tiens là. Du lait s'il vous plaît, vous pouvez pas me donner du lait? J'ai soif en fait et j'aurais besoin de lait. Ok, merci. Et ça de la bouffée. Non, moi j'ai pas trop faim. Moi j'ai pas trop faim, donc moi je veux juste du lait en fait. Vous avez pas du lait s'il vous plaît? Bon bah d'accord, c'est bon. Ah, j'arrive pas à m'asseoir. Voilà. Là c'est moi qui ai. Ouais, y a même les policiers qui viennent avec nous. Ouais. Messieurs, normalement vous avez une table spéciale gardien de prison. Ah, ça fait du bien de l'eau. Monsieur l'agent, je pourrais avoir de l'eau s'il vous plaît, là j'ai encore soif. Oui. Oui, moi aussi, j'ai encore soif. Non, ah, merci. Monsieur, s'il vous plaît, une bouteille d'eau. Tiens, je vais garder cette bouteille d'eau pour plus tard si jamais j'ai soif. Ouais, mais de toute façon, tu peux y remplir. Ouais, moi je garde deux bouteilles. Bon bah du coup maintenant c'est fini. Aller remplir les lavabos. Bon moi je du coup je crois qu'il faut aller dormir là. Attendez, est-ce que je pourrais parler à Lucas? Viens, on va j'aurais besoin de. Ah merde, putain, je me suis trompé de. Qu'est-ce qu'il y a? Il est sympa comment? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis très sympa. Ouais, t'es quelqu'un de confiance? Très confiance. J'espère. D'accord. Et j'ai déjà. Bon. Du coup, on doit aller dormir. Heureusement. Très confiance, c'est pas français. Genre, je m'y connais en Eva. On Eva M. Tu vois de quoi je veux parler. On vous réveillera demain. Parfait. Bon, bah, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Lucas. Je crois que c'est ça ton prénom. Ouais, bon, bah, bonne nuit, hein. Bonne nuit, mon gars. Oh. Ah, tu t'es réveillé. Ah, ouais, je me suis réveillé. Allô, les gars, on doit aller à la cour. On va aller à la cour. Ok. Salut, oui, Tom, ça va? Salut. On se check. Ouais, salut, ça va? Tiens, on se check. Attends, hop là, tiens. Check. Ouais. Ça s'est bien passé. Alors, ouais. Et ici. C'était plutôt correct. Ah. Va de ce côté là-bas, t'es. Bon, moi je propose de faire un petit peu de muscu. Moi je propose de pour les haltères. Je me pose. Attendez, moi je vais faire de la gym. Tom, qu'est-ce que tu fais?
Oh Tom, oh Tom le thug. Il s'est évadé. Mais c'est un ouf. À travers les barbelés, mais ça doit faire mal. J'avoue. Moi je te conseille de pas tester, hein, ça doit faire mal. Je voudrais pas que tu te blesses. Est-ce que je peux juste toucher les barbelés pour voir où ça fait mal comment? De toute façon, je vais pas m'enfuir. De toute façon, je suis de confiance. Hein. Ah oui, effectivement, ça fait mal. Ça se fait très mal. Hein. Curie s'est évadé. Oh GG Tom, hein, sérieusement là, il m'entend pas, mais oh GG. Il a dû tellement souffrir. Attends. Les gars, je vais aller voir la ville. Attends, viens là. Quoi qu'est-ce qu'il y a? Vous savez pas des oreillettes normalement. Tu dis quoi? Vous savez pas des oreillettes normalement. Non, on a jamais eu d'oreillettes. Enfin si, pour le braquage, mais ensuite ils nous les ont enlevées. Ah oh, ouais merde, parce que moi j'ai réussi à en faire passer. J'en ai 4, si tu veux savoir. D'accord, bah. Attends, je vais essayer de soulever les haltères. Mais en plus, il y a un flic sur une des haltères. Comment tu veux que je l'élève? Monsieur, vous pouvez vous pousser, s'il vous plaît? Merci. Oh, c'est trop lourd! Personne en ville. Ah, c'est trop lourd. Bon, on en a perdu un. Ouais. Bon. On a perdu un. C'était une partie d'échec. Non merci, par contre moi j'ai soif, attends. Ouais. Je te conseille un truc, normalement ils te donnent une pièce d'eau par journée, donc en gros c'est tu bois un peu. C'est mieux. C'est bon, moi j'ai déjà 2 fioles, c'est parfait. Ouais bah moi aussi. Donc là on en a pour 2 jours. Après ils vont nous redonner 2 fioles. En fait ils nous font par 2 jours par 2 jours normalement. À part s'ils ont changé les protocoles. Ouais bon bah du coup je sais pas trop quoi faire. C'est bizarre quand même. Attends, moi je te propose qu'on fasse un petit peu de. Enfin qu'on court un petit peu, on fasse un petit peu d'endurance en faisant le tour. Alors, de la cour. Un des autres policiers pourrait mourir. Bon bref, moi je commence personnellement ici là. Bon moi je fais un petit peu mon jogging. Hein. Allez hop. Un des policiers pourrait m'ouvrir la porte. De l'entrée. Ah non, toi t'as raison, il faut faire sur ça le truc en bas. Enfin, le... Ouais, c'est mieux pour les pieds, du moins. C'est mieux si t'as des chaussures, après si t'es sans chaussures, on va mieux être par terre. Ça va, comment on fait? Ouais, hop. Ah, oh, attends, j'ai soif là. La porte. Bon, moi j'arrête de faire le jogging. Vous pourriez pas investir dans une nouvelle cour. J'avoue, normalement là on devrait pas rentrer. Normalement ça devrait pas être l'heure. Moi j'ai pas de montre donc du coup je dis ça. Ouais, si, parce que c'est bientôt midi là. Regarde, c'est bientôt midi. C'est bientôt midi, monsieur, là on devrait bientôt manger. Hein. Ouais, bonjour, on devrait aller à la cantine là. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours pas faim là, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu peux passer courir beaucoup si tu veux avoir faim? Non, je sais pas ce qui paraît. Si Rami, tu peux m'ouvrir. Ah ouais, c'est bon, j'ai faim. Bon, écoutez, moi je voudrais bien une petite tarte. Enfin, une petite tarte à la citrouille. Ce serait sympa. Merci. Oh, toi, regarde, tu fais quoi? Tu peux m'ouvrir. Attends, un petit. Ah non, rien. S'il vous plaît, on a la cantine, on a faim là, non, vous pouvez pas nous aider, on a faim. Tiens. Bah, c'est pas grave, vous nous donnez de la nourriture. Merci. Non mais c'est bon, j'ai besoin juste d'un steak. Je sais pas, il y a mon corps, il est arrivé là d'un coup, j'ai pas voulu arriver là moi. Bon, bref, allez. C'est quoi, tiens toi. Tiens, 1, 2, 3. Ah non, mais tu peux pas prendre, c'est pas la fin. Oh. Non, oh oui, bah merci. Mmh. Ah, je tiens. Bon, allez, on mange. Ouais, bon, moi j'ai pas faim. Attends, moi je bois. Allô, les agents de police, je vous appelle pour quelque chose. C'est qui qui a pas faim?
C'est juste que je viens voir mon cousin, il s'appelle Lucas. Hein? Attends. J'ai un cousin. C'est moi où j'ai cru entendre qu'il y a quelqu'un qui venait te voir. Ouais, mais j'ai pas de cousin. Allô, il est en prison. Attends. Il y a un cousin. Viens dans les toilettes, Lucas. Je vais lui faire une visite, monsieur. Je viens lui faire une visite. Viens. On peut se tirer. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ok, d'accord, il a disparu. Bon, allô, bah je vais être seul. J'attends ici, monsieur les agents, pour le voir. Allô, vous, là-bas, dans les égouts. Dans les égouts, quelqu'un oui, non, mais désolé, j'ai pas fait exprès. J'étais dans les toilettes des filles et je suis tombé de ma douche, en fait. Ouais, mais écris fort quand même, vous, Thomas, pour parler. Vous, là. Ah, bonjour. Vous, qui es-tu? Est-ce qu'on pouvait parler en privé ou vous devez rester là? Non, s'il vous plaît, vous devez parler en privé. Hey, Thomas, écrit fort quand même. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ok, qui êtes-vous? C'est moi, c'est toi. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Ok, donc. Tiens, j'ai des... Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Ah, mais je te connais, toi, je crois. T'es pas... Ah, mais oui, mais c'est vrai, c'est toi le fameux cousin à Lucas. J'en ai pas. Est-ce que je peux vous laisser un téléphone pour le joindre ou un truc comme ça? Bah, à mon avis, ils vont dire qu'à toute façon, le téléphone, ce sera eux qui l'auront et qu'après, coup, ils vont vouloir tout le temps, quand tu vas appeler, ils vont te le passer. Ouais, c'est interdit. Il faut que tu nous le dises quand tu veux appeler. Ouais, alors, voilà. Ouais, bon, moi, je propose qu'on aille dormir. Bah, c'est à peine l'après-midi, hein. Bah, il commence à faire nuit, regarde, le soleil est en train de se coucher. Oui, c'est quand même la soirée, là. Faudra que je te parle dans la cellule. Oui, moi aussi, il faut que je te parle. Bon, bah, j'attends que les policiers ferment la cellule, même si je veux voir qu'un flic se suicider. Monsieur, vous pouvez me prendre, s'il vous plaît? Ah, merci. Écoute, il faut que je te parle. Ok, bon, viens, je vais te chuchoter ici. Ok, viens, je te chuchote ici. C'est pas un cousin, c'est Tom. Ouais, mais je sais. Ah, d'accord. J'ai compris. Ok, bon, bah du coup, on va bientôt devoir... Oh, regarde ce ciel, il est magnifique. Oh, magnifique. Oh, je t'explique. Dans les toilettes des femmes, il y a une douche. On peut passer à l'intérieur de la douche et ensuite, après, on arrive dans les égouts. Ah, c'est bizarre. C'est certes, c'est bizarre, sauf que vous, on peut s'échapper comme ça. Ah, bon, bref, moi, je propose qu'on aille dormir. J'ai sommeil. Bonne nuit. Oh, bonne nuit à toi. Ah. Salut Thomas. Bonjour, il y a Quentin qui est là. Quoi, il y a Quentin? Quentin, salut, ça va? Salut. Il y a tellement de trucs. Il y a un truc qu'il faut que je te raconte. Il m'a tellement parlé de toi. Attends, mets-toi là. Attendez, vous pouvez. Bon, bref, tiens, vas-y, mets-toi là. Je vais t'expliquer. Tom a réussi à s'évader dans la cour. Je te jure, tu vois, il y a des bancs, tu vois. Et ensuite, il s'est évadé. Ouais. Il est passé dans les. Bon, c'est à moi que tu parles là. Tom, vite. Putain, tu m'as fait peur. Bon, attends, vas-y, je l'ai fermé. Oh, bah dis donc, au même moment, on était en train de parler, toi tu viens. Oh, putain, c'est mal. En même temps, tu nous entends dans les toilettes. Est-ce que t'étais resté là depuis quand? Depuis que vous vous réveillez, c'est-à-dire toute la soirée. Ouais, t'étais à peine arrivé, quoi. Voilà, je viens d'arriver. Putain, je replie ma fiole, hop là. Et les flics, ils sont où là? Je pense qu'ils nous ont battu. Attendez, vous pouvez nous attendre. Attendez-nous.
C'est de la pisse hein, que tu vas voir hein, dans ta fiole. Oh non, t'inquiète. Ah non, j'ai pas de pisse moi, t'inquiète pas. Putain, allez vite, vite. On monte, on monte. Il faut qu'on s'évade. Allez, tu dégages. Saute. Ah, non, ouais, elle essaie de tomber. Direct. Je vous laisse sauter, je vous laisse sauter. Sauter. Ah mais merde, il y a une échelle. Ah ouais, mais il y a pas de. Ouais, mais du coup, on va où là? Je sais pas. Tom, on va vers où? Je suis là. Oula. Go. Oh Pierre, venez, venez, on suit Tom. Par contre, les flics n'ont toujours pas remarqué qu'on s'est enfui. Bon. Je suis le seul baiser d'entre vous. Hein. Bref, moi, je vous propose qu'on aille un petit peu à la Maze Bank, non? À moins que Tom veuille nous emmener dans un endroit. Tu veux t'équiper avant ou pas? Qui va s'équiper? Moi, ça serait sympa de s'équiper. Bah, tout le monde. Mais après qu'on ait fait de s'équiper, on va dans la Maze Bank. T'aurais pas une tenue, je sais pas, un t-shirt, une barbe orange, je sais pas. Oui, normalement, il a les tenues. Une barbe orange. Ouais, comme ça, ouais, il nous masque. Il n'a pas la même bah couleur. Ouais, bah, sinon, tu vas chez... Sinon, moi, j'ai des... Bah, moi, j'ai une tondeuse et tout. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà tout prévu. Bah, moi, j'ai déjà une tondeuse. J'ai déjà tout prévu pour vous. Ne vous inquiétez pas. Et t'as vu, quand même, c'était pas mal, le coup du cousin. Oh, ouais, c'était sympa. Je vais pas mentir, maintenant. Mais Tom, t'as dû te faire mal quand tu t'es évadé. Ouais. Mais vous savez, mes plaies, regardez, je vais vous montrer, regardez. Ah ouais, c'est violent. Hein. Ah ouais, t'as pas trop mal. Un médecin en ce moment, bah, y a beaucoup de sang des fois qui sort et ça me fait vraiment mal. Ah ouais. Par contre, faut faire gaffe, hein, parce que si les flics venez, on est dans la merde. Oh, merde, une trappe. Ouais. Bon, ça refermer derrière vous et n'allumez pas les lumières. Attendez, oh, je peux prendre. Ouais. Cool. Mais changez de costume. C'est des habits, hein, pas des costumes. Okay. Oui, mais mettez un costume aussi au-dessus de vous. Et tenez, tiens-toi, t'as un masque. Toi, ton masque. Mais c'est bon, ouais. Attendez, je m'habille. Ne regardez pas, s'il vous plaît, je m'habille, c'est privé. Attends, tiens un masque. Ah, j'ai enfin réussi à me tendre les cheveux, là. Ah, tiens. Voilà, bah, c'est bon. Il y a une armure encore. Je suis habillé. Voilà. Bon, je me suis un petit peu changé, hein, comme vous avez pu remarquer. Bon, du coup, qui est qui? Moi, je suis le mec au t-shirt blanc et la cheveux courts. Excuse-moi, on doit prendre une armure. Ouais, il faut prendre une armure. Attendez, il y a quoi dans le coffre? Prenez les armures, les gars. Mais les gars, par contre, prenez les armures, mais les mettez pas sur vous. Hein. Ok. Ouais. Sinon on va être trop cramé. Merde, moi, putain, mais exactement ce que j'ai. Regarde ce que j'ai réussi à avoir. Oh damn. Oh, quelqu'un a soif? Non, c'est bon. Quentin, t'as soif? Non, ça veut dire. On peut dire que mon arme, c'est une arme à deux balles. Allez. Ta gueule. Je vais me suicider. Oui. Bon, allez, du coup, attendez, on attend Quentin. On attend Quentin. C'est bon, je suis prêt. Allez-y, on y va. Les gars, si je vais moi, je vous propose qu'on aille à la Maze Bank. Qu'en pensez-vous de mon nouveau style? Ouais, bien. Et moi, qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien. Bah, allez, venez, on va à la Maze Bank. De toute façon, moi, c'est mon style de buzz. Attendez, on attend Tom. Qu'est-ce qu'il y a? Les Elytra sont interdits par la loi. Oh, mais on s'en fout. Mais il y a à peine un mois, ils étaient encore. Allez, on s'en fout. On est libre maintenant. Tu sais, y a Jacqueline qui est passée au pouvoir, ouais, elle a fait des rives de merde. Ah, Jacqueline Le Peigne. Ouais. Ouais, Le Peigne. Ouais. Oh ouais, Le Peigne. Ah ouais, malheureusement. Faudrait qu'un C4 on aille la tuer. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Ah non, non, non. Moi ouais, je préfère pas, on aurait des gros problèmes avec la politique. Je préférerais pas. Ouais, on va s'en battre les couilles. Enfin, même si on met des cagoules, on aura quand même des gros problèmes et après ça mettra ça fera des apocalypses dans le monde, des apocalypses. Les gens feront n'importe quoi. Enfin, moi je propose pas de faire ça. Il y a des lois qui passent 2 minutes après, il y a des lois qui passent pas longtemps après. Franchement, moi je dis. C'était quoi ce cri? On aurait cru un dinosaure. On aurait cru qu'il y avait un dinosaure. Tu la couches. Non, je suis tombée. Vous savez, je vais pas vous mentir, mais vous savez que je sais qui c'est qui l'a créé cette maison. C'est qui? Qui? Bah, c'est mon père.
Oh damn. Damn son. On aura le droit de rentrer comme on veut. Bah oui, mais la la il y a des électros. Il y a la loi. Attendez-moi, je suis pas parce que il y a la... Oh merde, excuse-moi, excuse-moi, je t'ai tapé, ça va? Venez où je suis, on va sauter oui, depuis va. Là où je suis. Par contre, il n'y aura pas quelqu'un qui aura la nourriture, j'ai faim. Viens, venez, venez, venez. En dessous de la maison, il y a du pognon. Oh, du pognon, j'adore tout ce qui est brillant. Par contre, il n'y aura pas quelqu'un qui aura de la bouffe, j'ai faim. Moi, j'en ai plein sur moi. Bah, tiens. Je voudrais bien... Oh, on est riche. Oh my god, il y a du jumps. Oh, par contre là c'est lourd, je peux plus rien prendre, là c'est lourd. Ah merci, mais là c'est lourd, je peux plus rien prendre. Ouais bah... Oui bah moi si je t'enverrais... Non on est déjà riche. On est riche, on si est riche, on est riche. Bon, okay, voyez gars, où je suis, on va sauter là où je suis. Attendez les gars, faut juste vérifier que c'est pas piégé quand même au cas où. Oh non, t'inquiète, les élytras c'est pas piégé et en plus c'est hors la loi. Et moi j'adore faire tout ce qui est hors la loi. Gars, allez tous. Mon balcon. Wouhou, par contre, j'aurais vous. Oh, on se dirige vers la. On se dirige vers. On se dirige vers la prison, non. 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 OMG, non. Non. Oh. Oh, purée, mais qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Oh. Oh non, oh, encore dans la prison. Oh. Ça va. Oh, oh, ça va mal se passer, je sens. Ah, oh, pas besoin. Tenez, attendez, je vous rends les élytras. Je connais la gars, la prison. Je pense que ça va surtout mal se passer pour Thomas qui lui était déjà parti. Aïe, 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 aïe. Tu parles de Tom ou de Thomas? Tom. Ah, non mais arrêtez monsieur. Arrêtez de le taper. Aïe. Arrêtez de le taper, il va mourir. Vas-y, attends, je te pousse. Il y a mes plaies qui s'ouvrent. Purée, mais soignez-le là, vous avez pas des pansements, il a des plaies qui s'ouvrent. Allez vite. Vas-y, viens, je te pousse. Allez, allez, dépêche-toi. Aidez-moi là, les autres. Aidez-moi à le pousser. Il a mal. Allez, t'inquiète pas, ça va y aller. Faut le soulever. Ouais, bah j'ai pas de force. Allez, vite. Allez, on y va. Allez, t'inquiète pas. Merci les potes. Ça sert à ça les amis. Vous avez pas juste un petit bandage? Non, moi ça va, j'ai pas de bandage. Tiens, mais j'ai une ancienne carte. Bah, qui ne sert à rien. Moi ça peut toujours tu servir. Peux utiliser. Par contre, il va falloir le mouiller dans de l'eau pour ensuite le mettre sur les jambes. Ouais, ça tient pas. J'ai juste enlevé un peu le son, mais. Allez, vas-y, monte. Vraiment mal. Je me mets. Monsieur les agents, je me mets où? Viens dans notre cellule, on va s'occuper de toi. Ouais. Vu que les policiers sont pas gentils avec les personnes qui souffrent, hein? Mais il faudrait qu'ils rebouchent le trou. Oh! Ah oui, mais d'ailleurs, putain, faut mais con, mais fallait pas le dire! Mais non, oh shit! Sinon, de toute façon, ils vont s'en occuper, vous inquiétez pas. Ouais. De toute façon, regardez, ils l'ont rebouché. Ah oui, en effet. Non. Mais ils l'ont un petit peu rebouché. Attendez, je le mets dans l'eau, je le mets. Bon, moi je vous dis bonne nuit, puis à demain. On vient juste de se foirer complètement. Quentin? Je me suis rappelé. D'accord, bon bref. Allez, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Bon bref, bonne nuit tout le monde. Monsieur les agents, j'ai pas ma tenue de prisonnier, mais bon, je m'en fous après, alors bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Salut le Ndek. Pourquoi vous nous menacez tout le temps? Ouais, j'avoue, là, on a rien fait, nous. Non, on est juste. On s'est juste évadé, hein. Ouais, on a rien fait. D'ailleurs, il est où notre pote Thomas là? Oh, regardez, il y a un mec moche. Comme ça. On dirait une caméra de surveillance, ouais. Comment il est positionné? Mais par contre, les flics là, où est notre pote Thomas là? Je suis une caméra de surveillance. Thomas, en fait, il a été dans un pénitencier. Okay. Mais c'est quoi un pénitencier? C'est pas là où il y a des pénis. Bruh. Oh ta gueule. Monsieur les agents, c'est normal qu'on peut accéder à dehors là? Non. C'est normal. Non, c'est pas. On a besoin de cookies. Non, toi, tu bouges.
Vite, attrapez-le, il s'est évadé. Non, non, t'inquiète. Ouvrez-moi, s'il vous plaît, j'ai peur du noir. Pardon. Bon, on a besoin de bouffe un peu là. On ouais, a bah, moi j'ai besoin de deux cookies. Attendez, je prends de la bouffe. D'accord, le mec qui est en cuisine comme ça. Des cookies, juste deux. Oh, tu comprends le français là? Juste deux. On parle bien. Ouais, les gars, je vais aller faire caca. Merci pour les frites. Hein. Non, rien. Ça s'appelle pas des frites, ça s'appelle des patates. Et les gars, après, dans le studio, j'ai un truc à vous montrer. Vraiment trop cool. Ah ouais, bon, ouais, je crois que c'est l'heure de la cour là, non? Ils bougent les flics. Ouais, allez à la récré. La récré, bro. Ouais, hey, on est pas en école, là, on est des adultes. Oh, fuck. Ouais, c'est pareil. Il pleut. Vous restez 10 minutes, pas plus, hein, parce que, à mon avis, il y a du tonnerre. Bon, Quentin et Tom, petite réunion. Oh, pardon. Petite réunion, on s'assemble tous les trois. Venez les mecs. Mais ouais, c'est un deck, qui c'est qui nous entend, non? Mais je m'en fous. Eh, tentative d'évasion. Eh ben putain. Eh, le mec, ouais, le mec, il fait rien, le mec. Oh, tentative d'évasion. Oh my god. Casse, où je peux pas m'évader, tout de suite, mon gueule. Bon, écoute, Tom, il va falloir qu'on observe la prison. Casse les plaques. Quentin, il va falloir qu'on observe la prison. Va falloir faire une observation. Regardez, j'ai une carte. Wow, intéressant. Attends, venez. Bon, allez en cellule maintenant. Oh. Oh, c'est quoi ça? C'est rien. C'est le papier où il s'est torché. Il a le droit de se torcher avec un papier et de le prendre quand même. Ouais, mais c'est un peu bizarre. Après, si t'as envie de sentir ce que j'ai fait. Ah non, allez à la douche d'abord. Oh, fuck. Ah ouais, j'ai oublié, je suis mouillé, wesh. Bah non, ça sert à rien, on s'est déjà douché dans l'eau là-bas. Non mais non, oh, bon, vas-y, pas costume. Allez, je savonne. Allez, dégagez. Hop là, je savonne. Je vais me torcher les fesses. Regarde avec quoi je me suis torché les fesses. Regarde, c'est beau. Doucement d'aller la douche. Très belle figure. Géométrique. Attendez, j'enlève. Pour vous doucher. Lucas. Allez, rentre. Oh damn. Attendez, je les attends. Mais pourquoi le mec il saute il saute devant les toilettes. Tu veux voir nos parties intimes, c'est ça? Bah vas-y, rince-toi l'œil. Alors pourquoi tu sautes comme ça, genre? Allez, regarde. T'as calibre 2000. Putain. Enfin, allez, vers son truc. Le mec il saute pendant qu'on prend nos douches. Non mais ce mec c'est un pervers quoi. Et il faut l'exclure de la prison parce que ce mec c'est un pervers, il veut voir nos parties intimes. On va rester pendant. Et maintenant plus que 5 ans en prison. Cool. Yes. Plus de 5 ans avec un. Ouais, t'es un policier avec nous. Mais c'est des psychopathes, ils nous observent. Il y a des extraterrestres qui nous mettent dans. Regardez pas, je suis. Ah. C'est un peu bien. Faut qu'on fasse un plan. Les gars, la cour, je crois. Mais putain, mais arrêtez de nous observer, vous là. Vous voulez quoi? Vous voulez notre photo? Arrêtez-vous, j'ai envie de parler à Lucas. What the hell? Dans la cour, il y a un endroit où il y a une échelle. Vous pouvez y accéder très facilement. Ok. Mais pourquoi tu nous observes, toi là? What? Faut qu'on fasse un plan. Allez, viens, on va dormir. Regarde-moi. Allez, on va dormir. Faut qu'on fasse un plan de diversion, ok? Ok, bah ça sera lui. Faut pas trop servir. Allez, on va dormir, ok? Faut pas courir et faut pas les. Et écoutez-moi, quand on s'évade, faut pas crier, ok? Ouais, bon allez, bonne nuit. Je crois que l'orage s'est arrêté. Que le quoi? Il pleut plus. L'orage. Ah, bah il pleut. Ouais, il pleut. Il pleut que. Enfin, il fait que de pleuvoir. Et qu'il y a de la bouffe? Moi j'en ai pas. Ils pourront pas ajouter le truc pour voir dehors plus bas pour qu'on regarde dehors, mais non. Ouais. Bah attends, on peut le voir sur les lignes, mais on peut pas monter. Dommage. Et les flics, vous aurez pas de la bouffe. C'est peut-être comme ça, regarde, attends. Si, tiens. Non, on peut pas. Je pensais de grimper dessus. Ah non, on peut pas. Mais attends, regarde. Ah non, j'ai rien dit. Merci. Vous voulez de l'eau ou pas? Ouais. Monsieur, est-ce qu'on pourrait sortir s'il vous plaît ou on est obligé de rester là?
Pour faire quoi? Bah il fait que de pleuvoir, il y a plus d'orage, on peut sortir quand même. Ouais, moi j'aime pas la muscu là. Allez-y. Merci. Let's go muscu. Bon Tom, du coup t'es notre plan de... Du coup c'est toi qui va les... Et les... Hey, attends, je suis au plan numéro 2. On peut vous trois, hein. Venez, on s'assoit là sur les bancs. Non. Elle est attendez, j'en prenne un peu mon endurance. Nous suivent tous, hein. Vous pouvez aller à l'intérieur, non? Je crois que vous avez d'autres prisonniers à regarder ou pas? J'avoue. Vas-y, vas-y. Moi, je l'ai... Moi, hey, sens... Tony, tu te sens bien dans ta prison? Dédé. Arrête, faut pas se moquer. Bon, alors du coup, c'est quoi le plan numéro 2? Faudrait que Magilo arrive à se déguiser en policier. Ouais, attends, on va le voir. Et il nous prend en policier comme si on avait fait une connerie. Et ensuite, il nous met dans la cabine. Eh, ah ouais, pas bête, pas bête. Tom. Mais c'est pour faire de la boxe. On m'a demandé le chef m'a demandé de les entraîner. Oh, pardon. Tom. C'est sur lui que je vais faire de la boxe. Tom, il faut qu'on te parle. Ouais. Viens. Ouais. Attends, écoute. Attends, mais il y a des handdecks, alors on va éviter. Attends, bon, je vais entraîner mon endurance. C'est tranquille, un peu de paix, on va les laisser en paix un peu. Moi aussi, j'ai l'endurance. On va les laisser tranquille dans leur cœur. Ouais. Ah oui, attends, j'ai oublié de fermer la porte à clé là-bas. La porte est ouverte, hein, là. Hein. Attends. Voilà. Attends, mais Pierre, moi je vais aller là-haut. Pou, pou, tu fais la merde. Ça, Sparta, oh, qu'est-ce que t'as? On dirait que t'es en train de lâcher une pêche. Oh, regarde, elle est belle la pêche, regarde la pêche. Oh putain, c'est de la bonne. Et les gars, quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Fermez la porte à clé. Ouais. Rien. C'est le papier avec lequel je me suis porté les pêches. Je l'ai poussé, et je l'ai poussé en même temps, je l'ai ramassé. Punchline. Bon les gars, je vous propose qu'on aille aux toilettes, hein, pour... Ouais, on va aux toilettes. On va aller aux toilettes. Si un jour on sort de cette prison... C'est interdit de se mastiquer le... Le mort. Le stick. Poireau. Le stick, voilà. Oh, j'ai des... Allez à la salle de bain. Allez en douche. Je m'entraîne, putain. Allez, on doit y aller. Bien, quelqu'un a pris ma clé. Oh, le premier arrive à gagner. T'es une poule mouillée. Bien joué. Allez à la douche. Oh, t'es dans les femmes. Hein. Ah, merde. Ouais, tu vas être notre... Change-toi en flic, on va... Allez, prendre... Faut... Tu vas prendre les divertis. On fait une connerie. Tu vas faire une diversion. On fait une connerie. Allez, déguise-toi en flic. Vite, dépêche-toi. Ouais. Allez, viens, Tom, on sort. Allez. Ouais, on sort. Si, c'est bon, vas-y. Oh, fuck. Attends, il manque pas quelqu'un, là? Non, pas du tout. Tom, il était déjà parti. Attendez, je vais... Ah, il y a un flic qui m'embête, là. Oh. J'étais venu voir si, tu sais. On n'a pas le droit de lâcher sa pêche. Attends, mais juste, par contre, il est où, l'autre, là? Il en manque un. Merci, je suis en train de lâcher ma pêche, monsieur. C'est maté, mais j'ai plus rien faire. Et il s'est échappé, j'ai plus rien faire. Je crois qu'il doit être dans la même prison de détention que le gars qui était en détention. Ouais, bon, c'est... Allez, dans le... Allez, par contre, j'ai faim, il y aurait pas quelqu'un qui pourrait me donner de la bouffe, please. Tiens. Voilà, c'est bon, ça me suffit là. Là, tu m'en as donné plus que trop. Combien de temps vous êtes ici? Moi, je viens d'arriver aujourd'hui, c'est normal comme vous m'avez pas vu. Ah, d'accord. Ça se trouve, il est en jetage. Tu es content? Ouais. Bah vous voulez faire une petite visite de la prison ou pas? Parce que... Oh, fermez les portes. Non, je la connais assez bien. Je ferme tout. J'ai un gilet pare-balles pour Il fait déjà nuit. Vous la connaissez assez bien? Non, mais ça va. Mais ça fait combien de temps que vous êtes dans la ville? Ah,
dans la file, un certain temps. D'accord. Quentin, qui on les écoute. On écoute leur conversation. Ouais, ouais, ouais. Eh, demain, on va faire visiter la prison. Demain. Eh, hey, ma chinoise. Tu veux dire Tom? Tom. Alors, les prisonniers, venez, venez, je vais vous faire... il y a une... normalement, vous pouvez courir un peu dehors et faire la mission. Ah, cool. Ouais, ouais. Espèce de ND que va. Tu vas pas rester longtemps ici, vu que t'es un nouveau. Vas-y, allez dehors. Wouh, je suis Kartog. Ça fait un peu mal. Allez, viens vite. Ouais, on va faire de la muscu. Même s'il fait nuit, c'est pas très grave. Moi, je vais faire mon endurance. J'en aurais besoin. Collègue, vous pouvez regarder s'ils s'occupent bien de leur truc. J'arrive. Ah, d'accord. J'arrive, hein. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je vais faire un tour de la prison. Regardez, c'est juste un truc pour la boxe. Se reposer un peu. Je dors. Fermez la trappe là-haut. Esquive, hop là, esquive. Le premier qui fait 10 coups en moins d'une seconde. 3, 2, 1, top. C'est bon, j'ai fait... c'est bon. J'ai réussi. Trop chaud. Eh putain, il est passé où là? Putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Tom, mais tu fais quoi? Attendez. Bonjour monsieur. Bonsoir. Non, c'est le jour, ok? C'est le jour de la nuit. On se calme. Vous alors, voyez que c'était pas évadé notre pote Tom en prison. C'est juste que. Ouais, il fallait que je vous parle d'un truc que on rapidement privé, venez. Vas-y. Ça commence à durer longtemps, ça commence à me saouler. Dépêche-toi. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez parler en privé, s'il vous plaît. Il y a un petit problème. Oui. En fait, là, je cherche mes élites. Des caméras de surveillance. Quoi? Il y en a trop. Ah attends, il y a des caméras sur ma caméra, j'installe ma caméra. Une caméra de service. Heureusement que je me suis changé d'habit à deux endroits où il y en a pas. Comment je peux dire que il faudrait qu'on neutralise ça, je pense qu'on pourra faire ça dans un ou deux jours. Pareil. Ouais. Encore. Par contre là, il fait nuit, je suis fatigué, je sais pas vous là, je vais me coucher. Ouais, allez en cellule. Si vous trouvez des élites, par contre, donnez-les-moi s'il vous plaît, parce que je les ai perdus, je sais plus où. Regardez si c'est pas dans la boutique de l'élite par hasard. Bon, bonne nuit. Là, allez, bonne nuit. Bonne nuit, Tom, bonne nuit, Quentin. Bonne nuit, les prisonniers. Oh. C'est quoi? Wow. Oh, les policiers, écoutez de la musique moins fort. Ouais. Allez, réveillez-vous. Attendez, monsieur. Monsieur, vous pourrez nous laisser tous les trois, s'il vous plaît. Allez-y, mais dépêchez-vous. Ah, t'es soif. Allez-y, mais alors, attendez, on va aller dans les toilettes pour parler de ça. Lucas, s'il te plaît, et... d'accord. Lucas, dépêche-toi. C'est 4. C'est la merde. Pour vous, il y a un truc important, là. Alors, chie, toi. Tiens. Papa, courant. Cool, tu les as eu où? Fais voir. Tu les as eu où? T'inquiète pas. Non, t'as tout mis dans les toilettes. T'as tout mis dans les toilettes. Par contre, ici... dans les toilettes, putain. C'est dégoûtant. Par contre, Tom, il y a un petit problème. C'est normal, il y a un bloc là qui est cassé. C'est bizarre. Un bloc. Problème. Non, t'inquiète pas, c'est un petit problème d'aération. Allez, dépêchez-vous, vous allez pas. Ouais, bah on a encore fait nos petits popos. Alors. Moi, c'est pas un petit. J'ai un plan. Ok, j'ai un plan, d'accord. Suivez tout. Suivez ce que je vais faire. Genre, ce qu'on va faire. Je vais faire. Il y a deux flics qui doivent nous venir. Oh, calmez-vous là. Merci. Genre, il y a deux flics qui vont devenir. Qui vont. Mais. Deux flics qui vont devoir faire une escorte. Oh, venez vite, arrêtez de nous mettre des vents là. C'est important. Alors, il y a deux flics qui vont nous faire une escorte. Moi et un autre flic, ok? Ça va se passer.
c'est que vous allez être au milieu. Je vais faire. On va aller dehors et tout. On va faire une escorte pour aller voir le police. La police là-bas. Il y a beaucoup de bruit. Ouais. Oui. Ça doit être les égouts ou comme ça. S'il vous plaît, les égouts, vous pouvez arrêter de faire autant de bruit là, c'est capouille. On dirait le bruit d'une caméra buggée ou d'un micro buggé. Alors, est-ce qu'il va se... Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Ils font des travaux, quoi. Ce qui va se passer, c'est que on va aller... Je vais dire, ouais, il y a la police là-bas qui veut leur parler et tout, et on va faire... Pas grave, on le fait ça maintenant. Ah ouais, c'est ça. Bonjour monsieur, j'étais allé voir aux toilettes pour voir ce qu'il faisait, et je ne trouve plus leur ami. Je ne trouve plus leur ami. Je vous pose des grandes questions. Est-ce que l'un d'entre vous a un micro, un espèce de talkie-walkie buggy, est-ce que vous pourrez le réparer s'il vous plaît ou pas? Moi, il va bien. Et vous? Non, pas du tout. Quelqu'un? Ou vous avez pas votre voix, essayez de la réparer un peu. Votre voix? Eh oh, j'ai rien moi. Ouais, c'est bon. Alors, on va leur donner à manger. Et il y a quelque chose qui a été prévu par le maire de la ville. Ils ont besoin d'être inspectés par la police. Quand t'as touché, il y a une balle dans le torse. C'est à cause de ce flic là avec la casquette rouge, il l'a tiré dessus. Vite. J'ai vu. Vite, on va lui enlever. On va lui. Purée, mais vous savez pas travailler, le mec il tire sur le plafond, regardez. J'ai une preuve. Il a tiré sur le plafond avec ses munitions. Allez, putain, ça veut pas s'enlever. Oh, c'est bon. Voilà, je t'ai l'enlevé. Purée, ça va, Quentin? Allez, suivez-moi. Suivez-moi, on va leur donner à manger. J'ai pas trop faim, c'est bon, et puis j'ai déjà de la à manger sur moi, donc c'est bon. D'accord. Bah alors, on va directement partir pour l'expédition. Je vais prendre cet agent avec moi. Cet agent de police. Venez avec moi, monsieur. Nous allons faire une escorte de deux agents de police. J'ai faim. Tiens, Quentin, t'as faim? Je vais te donner de la nourriture, j'en ai. J'ai mal au torse. Quentin, tiens, je te donne. Tenez, je vais vous donner une. Voilà, je vous ai mis un bandage, monsieur. Ça va être mieux pour vous. J'ai mis un bandage, une compresse et tout. Alors, l'escorte, je vais vous expliquer, je vais vous faire un petit topo, monsieur la recrue. Ce qui va se passer, c'est que il y a les deux prisonniers au milieu. Et nous deux, on est deux, et il y en a un devant et un derrière au niveau d'agent de police. D'accord. Je me mets derrière. D'accord, moi je vais me mettre devant. Allez, venez. Un kilomètre à pied, ça use, pardon. Ouais. Alors, messieurs, la police là-bas va vous parler au niveau de tout ce qui s'est passé, le braquage de banque et tout ça, qui vous a emmené là. Alors n'hésitez pas à tirer sur le flic qui est derrière vous. Bougez plus. Pardon. Non, ne tirez pas dessus. On va le prendre. Trop tard. Effectivement, trop tard. Vite. Les gars, chez vous. On va tout en haut de la maison banque. Non. C'est trop cramé. Attends, j'enlève ma tunique. Ouais, comme Quentin. Regarde le sang que j'ai sur mon torse. C'est pas du sang, c'est de la confiture. Ce matin, t'as c'est pas du sang. Je viens de me prendre une balle. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Allez, vite, dépêchez-vous. Ton sang, il est clair quand même. Ouais, je sais. J'ai du diabète. Je les entends au niveau de au niveau du microphone. Oh merde. On va se cacher où nous? Suivez-moi. On va se mettre dans des quartiers où ils... Arrêtez-vous. Ouais, enfin pourquoi il nous dit ça? C'est bête.
Vite. On va se mettre sur un démon cramé, le milieu. Putain, allez où ? Allez vite, dépêchez-vous. On vous a trouvé. Ah ouais. Oh, regardez, on peut aller ici. Allez, on va s'installer là. À l'étage. On va où ? À l'étage ou en bas ? Installez-vous en bas. En bas. Ok. On vient en bas. On va en bas. Alors, attendez une minute. Je vais parler au micro. Agent de police. Pas de la bouffe. Il s'est passé quelque chose. Moi et la recrue, nous nous sommes fait assommer. Nous ne trouvons plus les suspects. Ok, on a trouvé un. Ils vont me tuer, non. Trouver quoi? Oh, merci. Non, c'est bon. Je m'en donnais plus que trop là. Tiens, je t'en donne un peu. Ok. Voilà. Lucas, oh, stop. Quoi? Lucas, je me suis fait passer pour mort. Ok. En tant que truc. Mais le problème, c'est que nos têtes alors. Ils connaissent nos têtes, les flics. Bah, ça vous intéresserait une session coiffeur? Allez! Mais le coiffeur, il n'y a pas des affiches qui montent d'autres têtes comme quoi on est on voit un steed. Bah non. Oh les gars, je crois qu'on avait affaire à des petits rigolos qui habitent ici. Regardez, il y a plein de déguisements. J'ai un déguisement orange avec un masque blanc. Je vois pas de déguisement, mais bon, allons au coiffeur, ça serait mieux. Attendez, il y a une caméra là qui bug un peu, je vais la réparer. Attends, moi je me déguise. Il y a un micro, le micro de la caméra bug un peu, il faudrait que je le répare. Voilà, c'est bon, je l'ai réparé. C'est un déguisement que j'ai trouvé, les gars. Regardez, j'ai un masque et tout. Ouais, on a vu. Mais là, on va aller au coiffeur. Allez, direction coiffeur. Ça fait un peu en fantôme. Attendez, je vous laisse. Moi, je fais un truc important. Ok, direction coiffeur. Ok. Bon, t'es bon, content, t'es sorti du coiffeur et tout, ouais, ta coupe elle est sympa. Moi aussi, là, je me suis mis un petit bonnet en plus qui est sympa. Tu viens, Quentin? Ouais. Tu viens? Je crois que c'était ici. Et il est où du coup? Bah, je sais pas. Tom? T'en penses quoi de mon nouveau look? Ouais, c'est sympa. Il nous voit pas, nous remarquer. Tom, on te voit pas, enfin, on est rentré. Je suis en bas. Ah ouais, wow. Sympa. Je suis en train de. T'as vu, on a changé de look. C'est moi avec le bonnet sur la tête. Je sais pas si tu m'as reconnu. Ok. Je me suis transformé un peu en Peter. Mais attendez, deux minutes. Moi j'ai pas changé mon truc parce que j'ai pas pu. Tu vois, j'étais occupé de. Ah bah, faut que tu te dépêches parce que j'ai Filter Trou. T'inquiète pas. C'est bien qu'avant j'étais considéré comme l'homme le plus dangereux de sa ville, alors c'est pas moi qui vont. Ouais. Ils vont attraper. Bon, je vais mettre des fleurs là parce que ça me sert à rien. Je mets de la merde dans ce coffre. Bon. Voilà. Alors, il y a une chambre là, si vous voulez. Venir dormir. Ah, merci. Bah, moi, je dors dans celui-là. J'ai Attends, j'ai appelé des Portugais, hein, alors excusez-moi. Bravo. Et ils ont prévu de casser genre ici, non? Tiens. Ouais. C'est de la magie noire, t'inquiète pas. C'est de la magie noire. Ok. Bon, alors maintenant on fait quoi? Pour l'instant, tu vois, faudrait qu'on profite un peu de notre liberté, tu vois. Des élites. Est-ce que vous avez vu 3 individus s'échapper? Pourquoi on entend des personnes parler? Ah, c'est ton costume, t'as toujours le microphone. Ah oui, c'est mon. Ouais, j'ai toujours le microphone. Mais ils peuvent plus m'entendre. Je crois par là. Ouais. En tout cas, elle est sympa cette petite maison. Moi, j'aime bien. Mais bon, pour l'instant, il y a rien. Venez pas, je me change. Ok.
Je te laisse tranquille, j'ai pas envie de voir ton minuscule petit oiseau. Voilà, j'ai fait une teinture de cheveux et tout rapidement. Oh. Mais où t'avais ces cheveux là? Enfin, où t'avais ces vêtements? C'est une teinture et ça c'est des vêtements de mes grands-parents. Et ta couleur de peau, comment elle a changé? Mais non, c'est un peu pareil, sauf que ma peau elle est un peu plus rosée parce que je me suis blessé les mains. Peut-être. Ouais. Tu vois un peu les coups que j'ai pris, putain, mais toi t'es con. Ouais, j'ai juste enlevé ma casquette et j'ai changé d'habit. Ouais. Bon, alors vous allez dormir ici, d'accord? Ça va être une base de secours. Et on va s'occuper, je vais m'occuper des autres étages et tout. Ok. Mais on fait quoi en fait là maintenant? Parce que bon, moi je m'ennuie un peu. J'ai envie de faire quelque chose là. Allez faire des provisions. Faire des provisions, tu veux dire en gros faire des courses, mais je te rappelle qu'on a plus de fric. Ouais. Tous les flics nous ont pris tout. Ah merde, j'ai sauté très haut. Excuse-moi. En effet. Est-ce que tu pourrais faire. Bah va chercher un boulot. Ah ouais, on va aller voir. Attendez-moi. Bah, tu viens Quentin avec moi, on va chercher des boulots. Bon. Allons chercher les boulots.